tout à l'heure. Il y a une petite chronique qui s'appelle 2 minutes. À chaque mi-temps de match de handball de Golden League, 2 minutes passées avec Jérôme Fernandez. C'est signé Clément Contentin. Comment on se sent 2 minutes avant sa première sélection? Très stressé, très nerveux à l'idée de rencontrer des gens qu'on a l'habitude de voir à la télé, qu'on a l'habitude de vénérer, mais qu'on ne connaît pas forcément, et le choc est terrible. Raconte-moi les deux plus belles minutes de ta carrière en équipe de France. Les deux dernières minutes de la finale en Croatie. C'était ma première compétition en tant que capitaine, et mon père était à l'hôpital sur le point de mourir, donc ça a été un moment très... très très fort, dans tous les sens du terme. Si tu as 2 minutes à passer avec un coéquipier? Si c'est sportivement, ce serait plutôt avec Thierry ou Nicolas. Et après, si c'est sur un moment de bouffe sympa ou pas, avec Valentin, ça entend bien aussi porte. Si tu pouvais tester un super pouvoir pendant 2 minutes? De lire dans la pensée des gens. Pour la vie de tous les jours ou... Pour savoir leur vision des choses, ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Je te propose de passer 2 minutes avec un homme. Tu les passes avec qui? Avec un homme? Ouais, Michael Jordan. Savoir lui comment il voit la vie, quoi. C'est intéressant toujours de côtoyer des grands champions. C'est important aussi de connaître l'être humain. Donc, j'aimerais bien connaître un peu l'être humain. Et si je te propose de passer 2 minutes avec une femme, ce serait qui? Je sais pas. Ça dépend pour quoi faire. Si c'est pour discuter ou... 2 minutes. Eh ben, 2 minutes, c'est largement suffisant. Sincèrement, c'est le taulier en équipe de France. Il représente quoi quand on évoque Jérôme Fernandez de son équipe de France? C'est un grand bonhomme. Je crois que Jérôme, sans parler de ses titres, de ses faits de gloire, c'est quelqu'un qui a marqué et qui continue de marquer de son empreinte l'histoire de notre activité. C'est un pote et effectivement, il a beaucoup d'autodérision. Et si vous avez 2 minutes avec une femme, tiens, vous posez la question, Guillaume Gilles. Ouais, je ferai en sorte de prendre 3 fois 2 minutes.